Eh, je sais pas si je dois pleurer ou si je dois m'énerver. Mais je suis énervé! J'ai parlé avec une fille sur Insta. Oh mon Dieu, oh là là mon Dieu. Hein? Eh, elle était d'une beauté. Oh my God. On dirait sa mère quand elle était dans son ventre. Elle l'a pas accouchée. Elle l'a photocopiée en couleur. Il y avait Photoshop dans le ventre à sa mère, je crois. Oh mon Dieu. Eh, mais d'une beauté, hein? Elle chétane le poissonnier. J'ai parlé pendant 2 jours et je l'ai vu aujourd'hui. La tête de ma mère que c'est vrai. Je l'ai vu aujourd'hui. Nal-Shetan qui vend du poisson pané au marché. Oh my God. Au nom d'une pipe qui se fume pas. C'est atroce. Je l'ai vu en vrai. J'allais pas tomber dans les pommes. J'allais tomber dans les fruits et légumes. Dans la viande hachée. Oh là là. Mais espèce mais Inch'Allah ta mère elle va en enfer sur un caddie. Hey, tu te fous de ma gueule? Je parle avec toi pendant 2 jours. Je suis là, je kiffe sur tes photos. J'allais tomber amoureux. Je te vois en vrai. On dirait le frère jumeau de Gollum dans Seigneur des Anneaux. Tu te fous de ma gueule? Ça veut dire que moi, tu m'as fait kiffer pendant 2 jours. Pendant 2 jours, j'admirais ta tête. Et je te vois en vrai. Tu ressembles au doigt de pied de mon pied droit. Inch'Allah, ta mère, elle va en enfer sur un caddie. T'as vu? Elle monte sur le caddie. Tu la pousses et elle va en enfer. Arrêtez avec vos conneries! Arrêtez de trafiquer vos photos! Mais vous n'êtes pas des putes, vous! Non! Vous êtes une fusion de deux putes! Vous êtes des pulu-putes! Ah! Merde! Non, là, je suis très énervé, ok? Attendez, voilà, ok, écoutez. Là, je suis très énervé contre certaines filles. Mais vraiment! Mais là, la tension, elle est... Wouh! Les meufs avec qui tu parles pendant un bon moment. Et après, tu lui envoies un message, tu lui dis, c'est quand qu'on se voit? Et elle te répond, bah, on se voit quand tu veux, hein. Moi, ça me dérange pas. Quand tu veux. Ok, d'accord, pas de souci, c'est bien. Bah, vas-y, viens, on se voit demain. Non, demain, je dois aller faire mes pieds. Tu sais, je dois faire manicure, pédicure et tout ce qui est agriculture, tout ça. Ok, d'accord, bah, viens, on se voit après-demain. Après-demain, ah non, je peux pas. Parce qu'il faut que je m'occupe du cafard de ma mère. Parce que ma mère, elle a adopté un cafard il n'y a pas longtemps. Il est encore petit, tu vois. Faut que je m'occupe de lui. Sinon, la personne, il va s'occuper. Ok. Eh ben, viens, on se voit la semaine prochaine. C'est bon? Non, la semaine prochaine, je peux pas. Je suis désolé. Je dois aller m'acheter des boucles d'oreilles en Yougoslavie. Du coup, ça va être un peu long. Je reste là-bas une semaine. Mais ta mère, le carnet de santé. Ton grand-père, le bœuf bourguignon. Inch'Allah, ta mère, elle se fait adopter par les zinzins de l'espace. En fait, toi, je te dis, on se voit quand? Mais quand je veux, tu veux pas! Ben je te propose d'emmener ta mère dans une écurie et de lui faire manger de la paille avec des chevaux. On se voit quand? Ben quand tu veux. Ben viens, on se voit demain. Ben non, c'est con, demain je peux pas, je dois aller m'acheter des pistaches. J'ai envie de te mettre une droite jusqu'à que ta tête, elle tourne autour du soleil. La meuf, elle a le temps, elle a tout son temps, elle a tellement le temps que même son temps, il lui dit t'as trop le temps. Son agenda, il est vide, mais d'une vidité invivable. Et elle te dit non, je peux pas. Non, demain. Mais va te faire foutre par une cigogne! Va te faire foutre! Oussama, l'argent ne t'appartient pas. Suis dans la merde. J'ai invité une meuf à manger. Mais elle sait pas que j'ai 0 € pour payer. Depuis que je suis né, mon compte bancaire est tout le temps bloqué. Quand le serveur va ramener l'addition pour payer. Oh mon Seigneur, oh là, je crois que je vais saigner du nez. Je sais pas ce que je dois faire, est-ce que je dois courir ou est-ce que je dois l'assommer? Et en plus, le ticket sa mère, je te raconte même pas, oh là, le prix il m'a fait flipper. Ah, pas d'argent. Eh Willy, j'ai pas d'argent. Ah, pas d'argent. Eh Willy, j'ai pas d'argent. Ah là là, aujourd'hui c'est mignon, hein? Aujourd'hui c'est un beau jour, hein? Aujourd'hui c'est un jour spécial, hein, les amoureux, hein? Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, la Saint-Valentin. Vous êtes là, vous la racontez parce que vous êtes en couple, bande de fils de chorizo, hein? Vous êtes tous en couple. Le jour de la Saint-Valentin, tout le monde il est content, tout le monde il a le bonheur. Tout le monde il est en couple, il aime, hein? Je suis avec ma meuf, dîner aux chandelles, restaurant, cinéma, hein? Ah ouais, c'est bien, vous êtes en couple. Mais hé, hey, écoutez-moi bien. Inch'Allah, ta mère, elle se fait vendre dans un marché. Hein? Tu prends ta mère, tu la vends toi-même.
tu lui mets un truc 5 euros et tu la vends avec une canette offerte. Vous foutez de ma gueule ou quoi, hein? Vous avez pensé à nous les célibataires? Vous êtes là, vous fêtez la Saint-Valentin, tout ça, je sais pas quoi. Est-ce que vous avez pensé à nous? Non! Vous pensez qu'à votre gueule. Pourquoi vous inventez pas une Saint-Valent libre pour tous les célibataires qui se rencontrent? Non, ça vous voulez pas. Non, bande de fils de chorizo mal coupés. Non, Inch'Allah, ta mère, elle se frappait par une calculatrice. Hein? Et elle se réveille dans un monde parallèle où il n'y a que des maths. Vous faites de ma gueule ou quoi, vous? Vous êtes là, vous fêtez votre Saint-Valentin, vous allez au cinéma, vous allez voir votre meuf, vous lui dites je t'aime, et nous on est là. Non! C'est pas comme ça la vie! Je suis désolé! Je suis désolé, écoute-moi bien! Ça m'énerve. Ça m'énerve! Pourquoi vous êtes là? Je suis célib! Je suis célib pour la Saint-Valentin, bordel de merde! Merde! Eh, s'il y a des meufs qui veulent se mettre en couple juste aujourd'hui, c'est tout. Envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Même qu'aujourd'hui, c'est pas grave. Khadi Khadija, Khadi Khadija, Khadi Khadija. Elle a des parents qui tuera déjà. Ils m'ont menacé déjà. Si elle me quitte pas, c'est moi qui la quitte. Khadija, je prends la fuite. Elle a passé toute la journée à me surveiller. Elle a même envoyé ses copines pour me piéger. Quand je regarde dans mon tel, il y a 200 appels manqués. J'en peux plus de ce bordel, je crois que je vais la plaquer. Et quand elle m'envoie des messages et que je réponds pas, elle me dit je suis sûr que t'es avec une qahba. Elle me pisse sur Snap, Instagram et Facebook. Mais laisse-moi tranquille un peu, Allah in al-book. Quand je la regarde, elle me fait peur, on dirait un film d'horreur. Quand je la regarde, elle me fait peur, on dirait un film d'horreur. Elle a des parents qui tuera déjà, ils m'ont menacé déjà. Si elle me quitte pas, c'est moi qui la quitte. Khadija, je prends la fuite.